Maman. Rose. Maman. Rose. Maman. Rose. Rose. Madame. Je vous salue, mon fils. Bonsoir, madame ma mère. Alors, du nouveau? Je ne dirais pas que les nouvelles sont bonnes ni mauvaises, mais que les choses sont telles qu'elles l'ont toujours été. Merde, partons! Le roi a refusé. Je ne serai pas ministre. On se demande pourquoi? Bah oui, pourquoi mon bichon? T'aurais été tellement bien! Il aurait été tellement mieux avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous prend? Oui, mais que voulez-vous sous-entendre? Je sous-entends, mon fils, qu'à la place de madame, il y aurait dû avoir quelqu'un d'autre, une épouse, qui vous aurait donné accès au poste que vous convoitez. Eh bien, ma chère belle-mère, j'y suis, j'y reste. Mais vous, personne vous retient. Et puis ici, c'est chez moi. Chez vous? On se demande bien comment vous l'avez payée, cette maison. Non, non, mais je rêve! Quelle vieille peau! Oh, tu sais, ma mère atteint un certain âge. N'y prête pas attention. Je t'aime, ma petite Rose. Sans moi, sans mon argent, sans l'héritage de Chabert, mon défunt mari, ta mère, elle croupirait encore chez les Prussiens. Ma chérie, ma biche, ma biche. Malgré tout, maman était reconnaissante. Notre retour d'exil n'aurait pas été possible sans toi. Sans moi ou sans mon blé? Mais enfin, maman! Oh, puis j'en ai jusque-là, tous les jours cette dispute. De toute manière, j'ai autre chose à faire. Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce ne serait pas toi? Mais quoi donc? Demande-moi ce que tu veux. Puisque le roi t'a recalé, t'as du temps libre. Reçois le nouveau jardin de Solitude. Trois louis d'or pour la dame de compagnie. En plus, on en a eu à peine pour de tout à l'heure. Depuis la Révolution, le personnel est hors de prix. Mais où sont passés les pauvres? Oh, le peuple est de nos jours. Il nous prendrait l'argent dans les poches. Les temps sont durs. Elle se contentera de deux louis d'or ce mois-ci. Pour la meute, les quatre chevaux, les deux carrosses, les 12 caisses de champagne et le nouveau lustre en cristal, disons 500 louis d'or. Ah, j'oubliais. Le petit Whistity Rose, directement venu de la mangrove de Trinité. Ce qui nous rajoute 100 louis d'or. Quelle abomination! Quelle ignominie! Quel est le problème, mère? Je viens de croiser dans les escaliers une créature à faire peur. Vous seriez aimable, ma mère, de parler de mon épouse en des termes fatigués. Mais ce n'est pas d'elle dont il s'agit pour cette fois. De qui parlez-vous, alors? Un monstre, une créature du diable, un démon. Décrivez-le-moi. Grand, vêtu de guenilles, blafard comme la mort. Ah, Seigneur! C'est lui! Un revenant peut-être, mais sûrement reconverti dans le jardinage. Mère, calmez-vous, ce n'est que le nouveau jardinier. Vous êtes bien le nouveau jardinier, n'est-ce pas? Affirmatif, monsieur le comte. Mais d'ordinaire, c'est ton épouse qui recrute le petit personnel. Rose a peut-être autre chose à faire. Rose, pardon? Oui, Rose. Toutes ces folies que nous avons faites sur le canapé. Une éternité sans te voir, te toucher. 16 ans depuis que je t'ai revu pour la dernière fois, ici même. Tu ne portais une robe bleue. Je partais pour Austerlitz, où m'attendait l'empereur. Oh mon Dieu, cet individu est complètement fou, je vous l'avais dit. Monsieur, j'ignore qui vous êtes, mais sortez de chez moi. C'est vous? C'est vous qui je suis. Alors, ça roule? J'aurai enfin des orchidées et des iris dans mes parterres. Rose. Oula, c'est bien moi, et vous êtes? Chabert, colonel Hyacinthe Chabert, votre défunt mari, mort à Austerlitz. Vous délirez. Tu ne me reconnais pas, Rose? J'ai peut-être eu le crâne fendu d'un coup de sabre, mais les souvenirs que j'ai de toi sont intacts. Écoutez, ça suffit! J'en ai assez entendu! Je vous rappelle que vous êtes ici, chez le comté à Comtesse Ferrand, et que l'homme dont vous parlez est bel et bien mort, sur le champ de bataille! Et un vrai champion. Je reviendrai, et vous partir de chez moi! Eh bien, tout ce bazar m'a donné mal au crâne. J'ai besoin de pioncer.
pensez-vous de tout cela? Nous n'avons toujours pas de jardinier. Voilà ce que je pense. Remerciez la Providence, mon fils. Cet homme a bien le regard du colonel Chabert. Voyez-vous ce portrait dans la chambre de votre épouse? Vous voulez dire ce portrait de Chabert, peint par Gustave Duchemin en 1804? Cette horreur bonne à jeter au feu? Il y a vraiment un air de ressemblance. J'imagine ce que vous allez me dire. Changer de femme, ça réglera bien des problèmes. On ne peut être marié à la veuve d'un colonel d'Empire et espérer avoir une place à la suite du roi. Mais cette femme, vous semblez l'oublier. Je l'aime. Mais l'amour vous rend aveugle et faible. Ouvrez les yeux sur votre avenir. Et donc, pour vous faire plaisir, je devrais me séparer de mon épouse. Naturellement. Vous épouseriez alors une duchesse et accéderiez à la suite du roi. C'est toute ma vie. Tu verras plus tard. Tu comprendras comme c'est beau. Où vont ces enfants dont pas un seul nourri? Et tu verras bien d'autres choses plus tard, ma poulette. Un autre verre. Tu vas me payer quand celui-là? Que tu accumules les dettes ce temps-ci? Oh, t'inquiète, je suis sur un coup avec un marquis. Il est complètement toqué de moi. Et dans 3 mois, encore un qui t'aura plaqué. Au lieu d'ouvrir tes cuisses, ouvre les journaux des fois et rentre-toi quelque chose dans le crâne. Tu ne serais plus obligée de vendre ton corps au plus offrant. Et toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule. C'est pas bien de dire des gros mots. Emma a raison. Il y en a assez de vos disputes. Vous trouvez toujours un moyen de vous engueuler. Hier, vous êtes engoué pour 6 francs 6 sous que Nana devint Olympe. Demain, ce sera quoi? Le soi-disant Chabert? Comme l'autre jour. Pourquoi soi-disant? Parce que vous, Honoré, vous croyez vraiment à cette histoire? Et pourquoi ne pas y croire? Une histoire aussi belle que la sienne ne peut être que vraie. On dirait du Hugo. Ce que je disais, mon vieux, du théâtre. Bien sûr que non. Vous ne voyez pas que cet homme revient pour reprendre ce qu'on lui a volé? Vous l'avez déjà entendu parler de sa femme? De son combat pour récupérer son identité? L'autre jour, quand il est parti chez les Ferrand, pour se faire embaucher chez lui, dans la demeure dans laquelle il a vécu. Il est parti cher, il est revenu anéanti. Tant de misère, ça ne s'invente pas. Mais, au fait, c'est qui ce Chabert? C'est le vieux fou qui rentre tard le soir. T'es déjà couché. Ah, c'est peut-être le monsieur que j'ai vu en allant faire pipi hier soir. Comment il était? Je sais plus, mais qu'est-ce qui puait? Ah, c'est bien lui alors. Quand il passe, ça sent le rat dans tout l'étage. Le soir, quand je l'entends rentrer, même les cafards de sa chambre s'enfuient. Quand Chabert passe, les cafards trépassent. Bon allez, Emma, c'est la de l'opieux. Non, j'ai pas envie, je veux voir Chabert. Pas de chichi, Oli. Emma? Hé, Olin, tu as vu l'air? On a rendez-vous dans moins d'une demi-heure dans le bureau des lettres nouvelles. Allez, allez, allez. Faudra ça que Georges nous attende. Elle est toujours ponctuelle. Et c'est qui, Georges? Une journaliste. Une républicaine. Quoi? De la Belle Républicaine. Chez moi. Oh, et le Olympe alors? T'avais pas remarqué?
figure. Eh bien, dis-moi. J'ai la mémoire qui flanche. Elle aussi est républicaine. T'as pas vu ce qu'elle lit? Et Honoré? Je sais pas. Il est pas net. En tous les cas, il a accompagné Olympe chez Georges Sandoz. Vous m'attirez les problèmes. La police du roi va débarquer. Ah, et c'est pas tout, mon cher. Quoi encore? Je me souviens plus très bien. J'ai surpris une conversation. D'après ce que disait Olympe, ils allaient défendre la cause du vieux rat. Chabert? Ces deux couillons sont persuadés mordicus que Chabert est bien Chabert et que Georges Sandoz va publier son histoire. Je vais me quitter. Bon. Allez, tout le monde au pieu. Ne te permets pas, gamine. Tu parles d'un colonel d'Empire. Mon papa m'a dit que c'était pas vrai. Un parmi tant d'autres. De quoi tu parles? Toi non plus, tu ne me crois pas? Je sais pas. J'ai entendu des choses. Et ta vie est pue. Ah, comme toi. Tu as raison, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Raconte. Tu n'étais pas né. Je commandais la cavalerie de Napoléon à Austerlitz. Mon papa, il aime pas Napoléon, mais il dit que Louis XVIII, c'est le meilleur. Au fait, c'est quoi, Austerlitz? C'est la bataille où j'ai taillé l'armée russe en pièces et où je le crains fendu d'un coup de sabre. Tu veux voir? Oh oui! Rapproche-toi. C'est creux. On dirait une bouche, mais sans la langue. Je peux mettre le doigt? Non! Je ne suis pas un jouet! Je suis Hyacinthe Chabert, colonel d'Empire, mort en héros à Austerlitz, décoré post-mortem de la Légion d'honneur et revenu d'entre les morts. T'es un mort vivant, c'est pour ça que tu pues. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Tu devrais te coucher. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille, toi? Tu lui as raconté ça? Elle aussi, tu veux lui faire croire qu'un couple de paysans t'a retrouvé sur un tas de cadavres après la bataille? Et que soi-disant, tu as perdu la tête à cause d'un coup de sabre? Et un jour, tout à coup, tout m'est revenu. Rose, ma femme, ma patrie, ma gloire, mon honneur. Et tes papas, ils te sont revenus aussi. Espèce d'imposteur. Tu te rends compte, Olympe? Cet homme est frappé par le destin, comme Oedipe. Il était tout, il n'est plus rien. Eh bien, voici notre dit. Là, le colonel Chabert, en face de vous. Bonsoir, mon colonel. Vous êtes? Je suis celle qui vous croit et qui va vous aider. Mais encore? Vous avez devant vous Georges Sandoz. C'est un écrivain et auteur connu de tous. Sauf de moi. Vous ne connaissez pas l'auteur de La Liberté du Cœur, cet ouvrage publié quand l'empereur est revenu de l'île d'Elbe? Mais à cette époque illustre, j'étais mort. Dire que j'ai loupé ça. J'espère que votre bouquin tient du bien de l'empereur. Bien entendu, je lui reste fidèle. Je déteste les bourgons, leurs cours et leurs cliques. C'est pour cela que je vais forcer les Ferrands à vous rendre votre honneur et votre patrimoine. Organisons-nous. Chabert, vous m'avez bien dit qu'il y avait en Pologne des témoins de votre histoire, notamment ce médecin qui vous a suivi lors de votre rétablissement à l'hôpital d'Austerlitz. Je pars dès demain chercher ses preuves. Et ma femme? Quoi, votre femme? Ma maison, ma fortune, c'est bien beau. Mais ce que je veux avant tout, c'est ma femme et mon nom.
Écoutez, Chabert, tout ce qui est matériel est récupérable, mais on ne vous rendra pas l'amour de votre femme sur un plateau. Pour ce qui est de votre nom, Olympe s'en occupe. C'est une question de papier et de témoignage. Et vous croyez que les ferrants capituleront devant une vieille momie avec un certificat médical stipulant « Cette vieille momie est vivante, son nom est Chabert », signé un médecin polonais. Faites-moi confiance. Je saurai les mettre à genoux. Je ferai publier les preuves dans une semaine. Ils ne pourront pas résister. S'il possède des preuves de son identité. Est-ce que tu as quelque chose ? C'est la première fois que je rencontre un homme aussi fidèle. Rose par-ci, Rose par-là ! Il n'y a que toi qui compte pour lui. Tu connais les âmes autant que moi, Rose. On a fait le même métier. On a débuté en même temps, il y a 20 ans, dans la même maison. La substantifique moelle. Aucun homme ne résiste à ça. Mais Chabert, rien. Je n'ai même pas pu monter dans sa chambre. Je n'ai aucune information. Je sais seulement qu'il pue la mort. Et est-ce que les autres ont des soupçons ? Des soupçons sur quoi ? Sur ton double jeu. Ah, tout le monde pense que je déteste Chabert. S'il balance que j'ai fait des avances, personne ne le croira. Bon, c'est pas gagné, Paulette, mais c'est pas grave. On a tout notre temps. Tu vas réessayer. De toute façon, Chabert est seul contre nous tous. Chabert ? Seul contre tous ? Ah, tu te gourres, ma bichette. Comment ça ? Figure-toi qu'il a des amis. Quoi ? Ce vieux fou, des amis ? Une espèce d'anarchiste. Une certaine Olympe. Et un beau parleur honoré. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils se sont débrouillés pour récupérer les papiers de Chabert. Comment tu sais ? Cet imbécile d'Olympe s'en est vanté. Elle me les a montrés. Le certificat médical du médecin polonais qui, en 1805, a sauvé Chabert. Tu vas nous trouver un moyen de nous débarrasser de cette Olympe et de ses papiers. Sans louis d'or quand tu auras fait ton travail, et sans aujourd'hui. Compte sur moi. Je sors par l'escalier secret, personne ne me verra. J'oubliais. Deux ou trois gouttes suffiront à éliminer celui ou celle qui nous gênera.
Bonsoir, madame la comtesse. Avez-vous bien dormi? Très bien, très bien. Je me demande même si je ne suis pas encore en train de dormir. Vous m'avez l'air d'humeur joyeuse ce matin, comtesse, mais votre humour m'échappe. La révérence? Vous avez refait toute votre éducation une nuit? J'ai cru que je rêvais. Je ne serai jamais assez bienveillante à votre égard. D'ailleurs, je m'en vais aux cuisines commander le petit déjeuner. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Toast de caviar avec du champagne, sans manger. Vous en avez mis du temps, Vador. Vous n'êtes pas la seule personne pour qui je travaille, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'avez-vous appris à la pension du Bélé? Que le mariage du comte Ferrand avec mademoiselle Rochapotel, ancienne prostituée de la substantifique moine, peut être annulé quand la vérité éclatera. Le colonel Chabert vivant. En êtes-vous sûr? Aussi sûr que mon fils s'appelle Luc et que moi, Vador, je suis son père. Comment avez-vous fait? Bien, il y a tout un clan autour de Chabert à la pension du Bélé. Je me suis fondu dedans. J'ai vu sa chambre, j'ai vu ses papiers entre les mains de ses amis. Une prénommée Olympe, une partisane de la République et bonapartiste. C'est une bonne nouvelle, Vador. Vous avez fait du bon travail. Et vous ne savez pas la meilleure? Ils ont de leur côté Jean Chandon dans la personne, prête à publier toute l'histoire en première page des lettres nouvelles. Et vous aurez gagné alors tout ce dont vous avez toujours désiré. Le comte Ferrand, face à ce scandale, sera obligé de quitter sa gourgandine. Cette fille de choix qui, sans la Révolution et sans l'Empire, n'aurait que son corps pour gagner sa vie. D'accord, mais qui vous dit que l'amour de votre fils pour cette femme ne le retiendra pas auprès d'elle quoi qu'il arrive? Deux choses, Fader. Deux. La première, il pliera devant le scandale. Henri Ferrand, marié à une femme polygame, il ne tiendra pas plus de 3 semaines. La seconde, j'ai déjà un lot de consolation. Ma parole, comtesse, vous avez vraiment tout préparé. Mais puis-je vous demander quel est ce lot de consolation? Il se prénomme Rosaline, duchesse de Rohan. Attendez, Rosaline, la duchesse de Rohan, celle qui a des purs sang arabes? Rosaline, duchesse de Rohan, 16 ans et folle amoureuse de mon fils depuis qu'elle l'a croisé à un bal. Leur mariage les mènera droit au sommet de l'aristocratie, puis à un poste de ministre. Eh bien, nous sommes tout dit, madame la comtesse. Je retourne à la pension du Bélé sous le masque du prêtre honoré. Tiens, vous voilà, Henri. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mon fils. Quoi donc, mère? Vous m'avez trouvé un poste de ministre? Vous vous êtes enfin réconcilié avec ma femme, après 10 ans de mariage. Devinez? Je sais. Le Lustitit de Rose a enfin appris la propreté. Vous ne serez plus obligé de passer derrière lui tous les matins, à moins que vous partez aux Caraïbes et vous vouliez me l'annoncer. Arrêtez de faire l'imbécile. Que diriez-vous si je vous disais que le jardinier de l'autre jour était réellement le colonel Chabert? Qu'est-ce que vous racontez? Cette histoire est invraisemblable. Je n'y pensais même plus. Il va pourtant y falloir y repenser, Henri. Que c'est de source sûre qu'il est celui qu'il prétend être et qu'il en a maintenant les preuves. Arrêtez! Vous vous moquez de moi! Vous divaguez! Est-ce que je me moque de vous si je vous dis que dans votre chambre, à la place de Rose Chapotel, vous pourriez tenir dans vos bras Rosaline, la jeune duchesse de Rohan, cousine par alliance du roi? Pour cela, il vous suffira de faire annuler votre mariage. Or, si vous décidez de prouver que Chabert est bel et bien vivant, vous redeviendrez alors un parti à prendre. Ma mère? Je ne sais pas. Attends, j'ai une surprise. Regarde.
Regarde ce que j'ai fait préparer pour toi en cuisine. Ah. Hop, un jus de carambole, accompagné d'un petit pain au beurre nappé de confiture de banane. Le petit déjeuner de notre voyage de noces. Oh, merci Doudou. De la tête. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. T'es sûr? Sûr. T'es sûr? T'es sûr complètement? Sûr à 100%. Sortez chez moi! Encore vous? Ça tombe bien. Je crois que la pelouse a besoin d'être rasée et les arbres taillés. Je serai vous, monsieur le comte. J'éviterai de faire le malin. Vous venez sans doute l'accompagner dans sa tâche, madame. Si j'étais vous, j'éviterais de faire le malin. Une veste. Qu'avez-vous sur moi? Si vous saviez ce que j'ai ici. Une veste verte à manches bouffantes. Assez! Comme vous pouvez le voir, j'ai à présent les moyens de récupérer ce qui m'appartient. Rose, fais tes adieux à ce sombre personnage. C'est un imposteur qui s'est installé chez nous. Vous mentez, c'est vous l'imposteur. Ja, Adrian Strerewicz, doktor jego majestatu króla Polski, oświadczam w ten dniu 2 grudnia 1805 roku, że ocaliłem od pewnej śmierci Jacynta Chabert, pułkownika armii francuskiej po walce w Austerlitz. Je vous traduis. Moi, Adrian Strerewicz, médecin de Sa Majesté le Roi de Pologne, je certifie en ce jour du 2 décembre 1805 avoir sauvé d'une mort certaine Monsieur Jacinthe Chabert, colonel de l'armée française après le combat d'Austerlitz. Ah, ok, d'accord. Cette affaire est montée de toutes pièces. Donnez-moi ça. Calmez-vous, je n'y serai pas. Vous oseriez tirer sur un comte de France? Baisse ton arme, Olympe. On a bien mieux à faire. Plus forte sera la chute quand éclatera la vérité. Vous perdrez tout, monsieur comte. Votre gloire, votre réputation, votre honneur. Pourrait bien nous attirer des problèmes. Quel problème? Continue de lire, gamine. Le héros d'Austerlitz n'était pas mort. Le comte Ferrand devra lui rendre tout ce qu'il lui a pris. Tu t'arrêtes pas? Tu la vois celle-là ou pas? Rose Ferrand n'a jamais cessé d'être Rose Chabert. Le jeune du palais,
En tant que colonel, je vous somme de traiter votre fille avec respect. Veuillez me rendre ce journal. De toute façon, l'article a montré une preuve. Chaque chose en son temps. Eh bien, madame Sandoz, c'est le moment de prouver ce que vous avancez. Allez, Olympe, montrez à ces avortons, montrez que je suis bien vivant. Voilà, c'est écrit en polonais, mais la date et le nom de Chabert sont invisibles. Et le tampon est authentique, Austerlitz 1805. Tu es bien imprudente, Olympe. Es-tu sûr qu'ici, tout le monde soit bien intentionné? Soupçonnez-moi bon, vous y êtes. Votre article, j'en ai rien à faire. Tenez, Honoré, tout cela m'a l'air en règle. Colonel, je vous salue. Mais vous pensez vraiment qu'il suffit de réapparaître, même couvert de gloire, pour briser un mariage entre deux personnes qui s'aiment réellement et qui ne forment qu'une seule chair? Qu'une seule chair? Savez-vous que le comte Ferrand tourne autour de la jeune duchesse Rosaline de Rohan? Il a été vu plusieurs fois cette semaine, chez le duc et la duchesse. J'en ai assez de vos histoires. Tu veux trop petit? Tu vas venir chercher l'eau avec moi, puis va prendre ton seau. Non, je veux rester avec Chabert. Non, petite, tu vas aller à l'école. Sans l'école, ce sera rien de ta vie. C'est moi qui décide de filmer pour ma fille. Votre fille ira à l'école, et moi, j'y repuis avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais au journal. Je rédige un article avec la parution des preuves pour l'édition de 18h. Toi, Olympe, rejoins-moi à midi, dernier délai, avec les papiers. Qui veut bien m'accompagner? Moi. Plus je vous écoute, plus je me rends compte que la vérité est de votre côté. Je vous félicite, ma fille. Vous êtes du côté de la justice. Guidez-moi. Savez-vous, Olympe, que je suis en train d'écrire un poème sur toute cette histoire? Un poème épique. Ah, la poésie. Poème. C'est intéressant. Essayez de me faire croire encore une seule seconde que vous êtes poète et je vous explose le crâne. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez que je n'ai pas deviné? Je vous ai suivi. Vous êtes rentré chez le comte et la comtesse Ferrand le 9 L'Oréal à 10h. Puis le 18 Messidor en début d'après-midi. Vous êtes Vador, agent de la police royale et espion. Plus haut! Ce n'est pas moi qui devrais vous inquiéter. C'est Nana! Nana, cette catin! Vous inquiétez? Il ne faut pas jouer aux apparences. Savez-vous que Nana exerçait le rôle de prostituée il y a 20 ans? Plus haut! À la substantifique moelle, aux côtés de Rose Ferrand, sous le nom de Rose Chapotel. Et d'ailleurs, c'est là que cette dernière a rencontré le colonel Chabert. Je ne vous ai rien demandé, Vador! Sortez! Déjà de retour. Oh, Georges n'avait plus besoin de moi. On a croisé un certain Stendhal, il a allé au journal et a proposé d'emmener Georges. Tu sais ce qu'on vient de me dire sur toi? Non, tu vas me le dire. Tu connais très très bien Rose Chapotel. Tu me sers un verre peut-être? C'est une longue histoire. Mets-toi à l'aise. C'était en 1796, sous le directoire. Nous étions, Rose et moi, ce que l'on appelle des filles de joie. Les temps étaient durs et la terreur venait de prendre fin. Un jour, un colonel du nom de Chabert est tombé au premier regard amoureux de Rose. Mais elle ne m'a jamais oublié. Tu croyais avec tes preuves avoir gagné la partie? Oh.
Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour Rose que je le fais. Du bien. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ici que la diligence pendante doit nous prendre. J'avais un ami, il est mort ici. J'avais reparti dans le monde des zombies. Hé petite, de quoi, enfin, de qui tu parles? De mon ami qui puait. Explique-nous. C'était un colonel avec le crâne fendu. Il avait une belle qui ne l'aimait plus. Il est allé chez elle, elle n'a pas reconnu. Il s'est fait sauter la cervelle. Thank you.